que événement de Diadolo ama odo azalon amima esogbe eyelo. Vous suivez les Simpsons de Adjenia qui vous amusent et vous font rire, mais jamais sans connaître l'auteur. TPC Plus Production, en partenariat avec l'ONG Fierté Béninoise et Adjenia Créative, vous offre l'occasion exceptionnelle de découvrir l'artiste humoriste Adjenia. Ouh, bébé, mon tour de mal au rota, oui, à roi. Mais tiens, encore une autre bête, tu dis, j'ai quoi? T'es pas de moi, oui, quand les gagnés. Découvre ma jonomie, bon, mais les douanes, bémi, le spectacle de dévoilement de l'artiste de l'ombre Adjenia et de distinction de l'artiste comédien Bodesta vous frappe à la porte. L'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adjon sera le théâtre de ce spectacle qui sera riche de par son contenu. Une seule date. Samedi 18 mai 2024, veille de Pentecôte. Venez vivre une soirée de ouf à Adjon. Au menu, j'ai un concert, prestations artistiques des enfants de l'Académie culturelle Fierté Béninoise, projection des meilleures capsules de Adjenia et aussi surtout l'animation live des deux icônes de la vallée de l'Ouémé distinguées, Bodesta et Adjenia, qui va se démasquer à ses fans et mélomanes. Et plein d'autres surprises avec de nombreux artistes invités pour la circonstance. Ah oui, à Jopeto. La soutenir, oui. Un spectacle accessible à tous avec une modique somme de 1000 francs CFA et 3500 francs pour ceux qui souhaitent soutenir l'événement. Recevons un t-shirt à l'effigie de Adjenia Créative et sa petite famille. Il y a aussi des tickets soutien VIP disponibles à 5 et 10 000 francs respectivement avec un prime, un t-shirt de haute qualité avec une place de choix sur le spectacle. Ouémenou, sympathisants, annonceurs, partenaires et autres sponsors, positionnez-vous sur l'événement pour la visibilité de vos affaires. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 67 34 74 98 ou encore le 53 10 10 17. Venez passer du bon moment avec du rire à Adjenia Créative, Nestwalk, Bonbon Clat. Oui, mais là, je me le dis, mais pour moi. Et à Tiami. Fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, nous sommes à l'avant-dernier jour de ce mois d'avril 2024, lundi 29 avril 2024. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Merci de prendre ce rendez-vous une fois encore en ce début de semaine. Aujourd'hui, le calendrier des faisans annonce que c'est le quatrième jour lunaire, donc c'est le quatrième jour du mois de faisans. Mais les autres détails ne sont pas encore disponibles. Justement, nous allons revenir à vous avant donc la fin de ce rendez-vous sur National TV pour le compte de ce lundi 29 avril 2024. Nous allons devoir donc passer à la présentation de la une de ces quelques canards qui sont parus et parvenus à la rédaction de National TV ce matin. Et nous allons maintenant tout de suite démarrer par le quotidien Le Chasseur Info. Le Chasseur Info qui a titré quoi ce matin? Perturbation de la marche politique pacifique plutôt des travailleurs contre la cherté de la vie au Bénin samedi dernier. La marche va donc être reprogrammée et reprise selon Anselme Amonsou-Sescami, le journal en grand titre ce matin. Remerciement des confédérations aux travailleurs. Sortis nombreux à l'appel des organisations syndicales. Les centrales syndicales reconnaissant envers les institutions internationales. Amis, le journal Mondassi Hobasabi réclame le limogeage du préfet Alain Orunla. Un gigantesque meeting annoncé pour le mercredi 1er mai prochain à la Bourse du Travail. Toutes ces informations, mesdames et messieurs, sont détaillées dans les colonnes du journal Le Chasseur Info dans sa livraison de ce matin qui rappelle à l'oreille droite ce matin les différentes dates des examens de fin d'année ce matin. Les examens scolaires 2024, le CEP aura lieu du 3 au 6 juin 2024, le BPC du 10 au 12 juin 2024 et le baccalauréat du 17 au 20 juin 2024. Prenez donc le rendez-vous. Nous allons passer à notre journal ce matin à Diatien News.
Agatianus qui a mis le maire Charlemagne Coty sur Radio GRDS FM. La construction du nouvel hôtel de ville démarre d'ici juin. C'est ce qu'a mis le journal ce matin, Agatianus ce matin, de mon président Gaspard Adjamossi. Assemblée nationale ce matin, les députés en plénière ce lundi, sept dossiers en examen. C'est en fausse manchette où il faut retrouver ce titre pour le quotidien Agatianus dans sa livraison de ce matin. Détermination info de mon cher aîné Eli Adeleye. Première réunion du bureau de l'ANCQ CVB à Cotonou, le président Benjamin Ronghalide et les siens repartent très aguerris, a mis le journal ce matin en fausse manchette, et en manchette le canard titré quoi? Lancement officiel de la seconde phase de formation gratuite en technologie. 600 nouveaux jeunes seront impactés grâce à l'ADEMEC CETI-Bénin. C'est ce qu'a mis le journal ce matin. En page 3, détermination info. C'est donc de plus amples détails. Cérémonie de clôture et remise de certificats aux impétrants du PAMEF. Un cachet spécial au comité d'organisation de l'événement a mis le journal ce matin. L'Université africaine du développement coopératif a redonné espoir aux financiers de la sous-région a mis détermination info dans sa livraison de ce début de semaine. La nouvelle. Ampi et Emoa du Bénin. Les prières de l'empereur Habibou Adam Owolobe pour la paix dans la nation. C'est en page 6, la nouvelle a titré cela ce matin, événement sportif à Cotonou ce week-end, Bénin puis Community en marche vers le Mainet. Paris gagné pour le délégué général, bienvenue Sourou Kokoye et son équipe a mis la nouvelle ce matin. Le témoin actuel, marche contre la vie chère au Bénin. La police d'Ignette, les centrales persistent et signent. La CGTB reprend rendez-vous pour mercredi prochain, a mis le témoin actuel ce matin. Trois questions au maire Charlemagne Coty de Porto Novo. La construction de l'hôtel de ville aboutira sous le président Patrice Talon, a mis le journal. Le reste de l'information s'est détaillé dans les colonnes du journal. Le témoin actuel dans sa livraison de ce matin. Le quotidien du Batito, Matin Libre. Oui, Matin Libre. Bénin, répression d'une marche pacifique contre la fierté de la ville. Une triste image projetée au monde, exclame le canard ce matin. Mais ici, en tireté, des syndicalistes et manifestants arrêtés puis libérés. Analyse des juristes Landry Adelakoun, Glory Oussou et Fréjus Atindoglo sur la fameuse autorisation. La CSTB entre dans la danse, une nouvelle marche le 1er mai, attitré. Le journal Matin Libre ce matin. Le projecteur de Mondoyen Amel Ferraez, qui met quoi ce matin? Kinshasa, l'EPA participe au lancement du programme de coopération d'Africa Museum. C'est ce qu'a mis le canard ce matin. Et en manchette, le maire Charlemagne Coty au sujet du projet de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Nous avons pu mobiliser 2 milliards environ. Le chef de l'État a accepté nous aider à avoir les 3 milliards de ressources complémentaires. C'est ce que le maire Charlemagne Coty aurait laissé donc sur les ondes de la radio GRDS FM ce dimanche sur l'émission Expression Directe avec mon cher confrère Laurent Agotuyedo. Gestion participative et exemplaire du Parlement. Vlavonou imprime sa marque à la 9e législature, a mis le canard à ce matin. Le coopérant qui s'intéresse toujours à cette actualité à la mairie de Porto Novo. Bilan à mi-parcours du maire de Porto Novo sur Radio GRDS FM dimanche dernier. Charlemagne Coty annonce le démarrage des travaux du nouveau hôtel de ville pour juin prochain, a mis le coopérant ce matin. Ici, Nord-Sud Quotidien. Gestion de Porto Novo, Nyankoti faire un bilan. Les journaux en ont parlé suffisamment ce matin. Hein? Interdiction de la marche contre la vie chère. Le front syndical se durcit contre Talon, a mis le journal Nord-Sud Quotidien ce matin en manchette. Trafic de munitions, deux accusés risquent 3 ans de prison, a mis le journal ce matin. Le télégramme de Etienne Wessou qui a mis quoi? Colloque sur le code électoral du Bénin. L'Église catholique relève que le code porte les gemmes de tensions politiques et sociales. Ce que Wilfried Ngbedi reproche à la démarche de l'Église, c'est à retrouver dans les colonnes du journal. Le télégramme précisément en page 3 ce matin. Marche contre la fierté de la vie au Bénin, libération des 27 manifestants arrêtés, la marche reprogrammée, un meeting prévu pour ce mercredi, a mis le journal Le Télégramme ce matin.
Le potentiel qui met scandale sexuel, abus et escroquerie à la zone économique spéciale de Glodigbe. Est-ce que c'est l'apparition de ce jour? Oui, c'est bien sûr l'apparition de ce jour. Hein, le potentiel, bien évidemment, qui met scandale sexuel, abus et escroquerie à la zone économique spéciale de Glodigbe. GDIZ, son image souillée, talons pour châtier les coupables, a mis le journal ce matin. L'ENF fait pour se saisir du cas des femmes victimes d'abus sexuels. Ces escrocs champions du sexe devraient être dégommés de leurs fonctions sur le champ, a mis le Canard ce matin. Un tribunal de première instance de Porto Novo, deux policiers déposés en prison pour homicide involontaire. C'est ce qu'a mis le journal. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, il faut donc vous procurer du Canard pour en savoir davantage. Le leader du jour de mon cher Olivier Huenou qui s'installe pour écrire quoi ce matin en fausse manchette. Oh, d'abord, pour la promotion de la santé et sécurité au travail en Afrique, la paix lance l'initiative Mes yeux, mon meilleur outil de travail. Ce sera le journal en fausse manchette. Oh, et en manchette, le Canard, titré quoi? Sortie pédagogique de fin cycle à l'école leader. Les étudiants de HECM découvrent les merveilles de la GDIZ. Ce sera le journal ce matin. C'est bien sûr le leader du jour. À présent, on va retrouver quel journal déjà? Le matinal. Le matinal, protestation contre la cherté de la vie, la face cachée de la marche. 27 personnes allèrent arrêtées et libérées. Faire une reprogrammation de la manifestation à Milkana. Impression de leaders syndicaux Guillaume Atingbe. Il faut tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé à le journal le matinal ce matin. Au page 2 et 11, l'information est beaucoup plus détaillée. Le chronomètre de Gérard Numba qui s'intéresse à quoi ce matin en manchette. Hôpital de zone Alada, Tofo Z. Les autorités bafouent les droits des agents licenciés. Ah bon? L'arbitrage du président Talon vivement souhaité. En page 2, le journal, le leader du jour en a parlé de façon beaucoup plus détaillée. Hôpital de zone d'Alada, Tofoze. Les autorités bafouent les droits des agents licenciés. L'arbitrage du président Patrice Talon vivement souhaité a mis le journal ce matin. En page 2, le Canard, le chronomètre, bien évidemment, a laissé le détail y afférent. Et en fausse manchette, au nouveau pacte pour la gouvernance locale, le Bénin et le Rwanda renforcent leur coopération, a mis le Canard ce matin. C'était bien sûr le journal Le Chronomètre de Gérard Numbé qui met fin à ce rendez-vous matinal sur National TV ce lundi 29 avril 2024. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous de 18 mai 2024 se tiendra justement sur l'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adjon. C'est bien sûr le spectacle de dévoilement et de distinction des icônes de la vallée à Djenia et Boresta. Prenez donc le rendez-vous, ticket 1000 francs, 3500 francs pour avoir un t-shirt, VIP 5000 et 10 000. Merci. C'est Guillaume Moukain qui l'a réalisé. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu à cette fois-ci avec Ifadata Moussa. Portez-vous bien. Au revoir.